Bonjour, mon nom est Jean-Baptiste Gouache, je suis avocat d'enseigne, expert auprès de la Fédération française de la franchise. Je voudrais vous parler aujourd'hui des aspects fiscaux du contrat de franchise. Alors, évidemment, comme tous mes confrères, je m'intéresse d'abord aux aspects juridiques de ce contrat, mais néanmoins, il faut savoir que le contrat de franchise comporte et implique des questions fiscales. C'est pourquoi le cabinet Gouache Avocat, dont je suis associé, s'est doté des compétences d'un avocat fiscaliste pour traiter ces aspects dans de bonnes conditions. Ces aspects sont multiples, leurs conséquences ou les économies qui peuvent en résulter ne sont pas négligeables. Je vais vous donner un exemple. Tout franchisé paye un droit d'entrée qui a pour contrepartie, en principe, l'accès au réseau, au savoir-faire et parfois un certain nombre de services comme la formation initiale ou l'accompagnement préalable à l'ouverture du point de vente ou de l'agence. Quel est le traitement comptable et quel est le traitement fiscal de ce droit d'entrée pour le franchisé? Eh bien, il va différer en fonction de la rédaction des clauses du contrat de franchise. Ceci est malheureusement trop souvent ignoré par les franchiseurs. Quelles sont les conséquences? Dans un cas, le franchisé va être obligé de passer en charge la totalité du droit d'entrée en première année. Vous imaginez bien l'impact de cette écriture sur le compte d'exploitation du franchisé. Cela n'est pas négligeable et pourrait conduire au constat d'une perte. À défaut, et même si aucune perte n'est réalisée, le franchisé risque d'être peu satisfait de son résultat si celui-ci est trop faible. Cela clairement impactera en tout état de compte sur le recrutement des franchisés dans la mesure où dégrade la présentation du compte d'exploitation du franchisé. Bien pour éviter le passage en charge du droit d'entrée, il faut que la clause réponde à certains canons de rédaction, notamment le fait qu'elle n'ait pas pour contrepartie des services. Or, c'est le cas dans beaucoup, et probablement dans beaucoup trop, de contrats de franchise. Les franchiseurs ont donc intérêt à prendre en compte, dans l'intérêt de leurs franchisés, mais aussi dans l'intérêt du réseau, ces aspects fiscaux et rédiger les clauses de leur contrat de franchise d'une manière appropriée, pour permettre l'immobilisation du droit d'entrée et pour permettre son amortissement par le franchisé. C'est donc là le job du franchiseur. Et c'est aussi le job d'un cabinet comme Gouache Avocat de conseiller les franchiseurs sur les aspects fiscaux liés à leur métier et pour rédiger des clauses appropriées de contrat de franchise, dans l'exemple que je vous ai donné, mais aussi dans bien d'autres situations. C'est pourquoi Gouache Avocat s'est doté d'une compétence fiscale pour répondre à l'ensemble des problématiques de sa clientèle d'enseigne.